Chers amis téléspectateurs de Anas 24, de par le monde dont vous nous suivez, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Arrivé en fin d'émission au Tchad et au service rendu au pays, M. Edouard Nguemael et Joseph Tamanginiro, respectivement chef de mission et représentant résident du Fonds mondial international, ont été élevé au rang d'officier de l'ordre national par le président du conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Les reportages de nos confrères de la télévision pour des éclairages. Des chefs de mission et représentants résidents du Fonds monétaire international, FMI, Edouard Nguemael et Joseph Tamanginiro, ont œuvré sans relâche d'une part au redressement économique et financier du Tchad et d'autre part au renforcement de la coopération entre le Tchad et le FMI. Sous leur conduite avisée, le 22 décembre 2021, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un nouvel accord au titre de la facilité élargie des crédits afin de répondre aux importants besoins de financement de la balance des paiements et du budget du Tchad. Pour avoir contribué au renforcement de la coopération agissante entre le FMI et le Tchad, le chef de l'État les a élevés au rang d'officier de l'ordre national. Votre mission au Tchad est arrivée à terme, mais je reste convaincu que votre amour pour ce pays restera inoxydable, a déclaré le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, à Edouard Nguemael, en l'accompagnant au perron du palais présidentiel. Ému par cette distinction, le représentant résident du FMI, Joseph Tamanginiro, a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités. Je suis très heureux de recevoir cette distinction et on est encore plus heureux quand on est récompensé pour des choses qu'on aime faire. Ça, c'est très important. Mais surtout, ce que je tiens à souligner, c'est que cette distinction nous va à nous, l'équipe du FMI, mais aussi que je représente, mais aussi ça va à l'administration tchadienne qui a pu faire le travail comme il faut, surtout le ministère des Finances et les autres administrations du Tchad. Pour le chef de mission sortant du FMI, Edouard Nguemael, en dépit des contraintes, la vision et la détermination du chef de l'État à mettre en œuvre les réformes placent le pays sur la bonne voie. C'était un sentiment d'honneur et de privilège d'avoir été honoré par le président de la République. Cet honneur va me lier de façon permanente avec votre pays, même quand je changerai de travail ou j'irai à un autre endroit. C'est vraiment un sentiment d'honneur et en même temps de reconnaissance. Et j'ai assuré le président que nous allons continuer à aider le Tchad pendant la période difficile. Plus récemment, pendant les deux dernières années, c'est quelque chose que nous sommes engagés, pas seulement l'équipe du Tchad, mais aussi notre administration et la directrice générale à continuer à aider le Tchad dans la période à venir, qui est une période difficile, mais non pas insurmontable. Le chef de mission sortant du FMI, Edouard Nguemael, est arrivé au terme de sa mission au Tchad après 3 ans de bons et loyaux services. Par contre, la mission de Joseph Tamanginiro, représentant résident du Fonds monétaire international FMI, est toujours en cours. Restons toujours à la présidence, amis téléspectateurs. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu ce 18 janvier 2022 le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, Mahamat Nour Ibedou. Accompagné de ses collaborateurs, le leader de la CTTH a évoqué avec le PCMT les perspectives de la transition en cours avec un point d'or sur le dialogue national inclusif. Toujours nos confrères de la télé-tchad pour les éclairages. Emprunté par la transition au Tchad apporte chaque jour son lot de positivité. Le retour historique des grandes figures politico-militaires se conjugue avec les consultations en discontinu avec les leaders de formation politique et ceux de la société civile. Mahamat Nour Ibedou et ses camarades du bureau exécutif de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains, CTDDH, ont eu l'occasion d'apprécier la bonne foi et le ferme engagement du président du Conseil militaire de transition de faire aboutir le
le processus de transition à son terme dans la plus grande transparence. Nous avons discuté justement de la transition parce que vous savez que la CTTDH avait dit qu'elle va aller au dialogue. Il faudrait qu'on ait des relations avec le partenaire au dialogue, en l'occurrence l'État. Et c'est dans cet esprit que nous sommes venus nous entretenir avec le président dans le but d'évaluer avec lui le chemin parcouru quant à l'institution, quant aux institutions mises en place et le comité de préparation du dialogue inclusif lui-même. Dans la transition, il faudrait être dedans, il faudrait participer de manière à changer les choses, parce que étant entendu que le dialogue sera issu des institutions, comme l'a dit le président, souveraines. Et là, c'est très intéressant, c'est une première pour le pays, et toute organisation sensée ne peut qu'approuver cette initiative prise par les autorités. L'inclusivité du processus prend son sens par ces consultations régulières que mène le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, aux yeux du président du Conseil militaire des transitions, le secrétaire général de la CTDDH, Mohamed Nour Ibedou, ses camarades et toute autre voix susceptibles d'apporter un plus au processus en cours sont à écouter et considérer. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, accompagné de ses collaborateurs, s'est rendu ce 18 janvier au domicile du feu général Adum Togoï Abo pour présenter ses condoléances à la famille de l'illustre disparu. Il s'agit du général Adum Togoï Abo, décédé le 17 janvier 2022. Son domicile à Farcha, dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena, ne se désemplit pas. Parents, amis et connaissances du regretté sont consternés. Pour le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a réagi dès l'annonce de cette disparition sur son compte Twitter, feu général Adum Togoï Abo est en même temps un père, un patriote et un cadre qui, de son vivant, a donné ce qu'il pouvait à la patrie. En cette qualité, il s'en voudrait de ne pas aller physiquement présenter ses condoléances à la famille éplorée et rendre hommage à la mémoire du regretté. Militaire de carrière, grand commis de l'État, feu général Adum Togoï Abo a vécu tous les événements heureux et malheureux qu'a connu le pays. En plus des services rendus à sa patrie, le regretté a aussi servi dans les institutions internationales, notamment la CENSAD, dont il fut le premier secrétaire général adjoint. Feu général Adum Togoï Abo a tiré sa révérence à l'âge de 75 ans. Autre chose, amis téléspectateurs, à présent, les rideaux sont désormais tirés. Depuis ce 18 décembre, lors de la formation des journalistes sur la couverture médiatique avant et après la conférence nationale inclusive à Radisson Blu, c'est le ministre chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, qui a clôturé la cérémonie. Tounassara Kindang était sur place, suivant son commentaire. La couverture médiatique sensible au conflit d'un dialogue national inclusif est le thème choisi pour former les journalistes afin de plus les outiller pour le dialogue national inclusif à venir. À la fin de cette formation, une représentante des participants a adressé ses remerciements au comité d'organisation. Madame Ednan, chef de délégation, demande aux journalistes de traduire cette connaissance acquise durant 2 jours dans les faits. La satisfaction de l'enthousiasme des participants qui ont été très actifs, assidus et très dynamiques. Ce moment de partage a permis aux uns et aux autres d'échanger davantage leurs expériences respectives qui en réalité reflètent le niveau des journalistes puisque certains d'entre eux ont vécu des événements similaires par le passé. Le défi maintenant est à traduire dans les faits le peu de connaissances qu'on a partagées durant ces 2 jours. Je voudrais également remercier le CODNI d'avoir accordé sa confiance à International IDEA pour son expertise. Dans leurs recommandations, les participants ont demandé aux médias de traiter toutes les informations de façon objective, de respecter la charte d'éthique et déontologie, au gouvernement de respecter les droits d'accès à l'information et aux partenaires de mettre les moyens nécessaires à la disposition des médias. Notons que cette formation a eu lieu grâce à l'appui de l'IDEA, de la Maison des médias, de l'ANI et d'autres partenaires.
Amis téléspectateurs, restons toujours dans ce même cadre. Le ministre chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Cheikh Ibn Oumar, clôturant la cérémonie de formation des journalistes, les appelle au professionnalisme. Suivez un extrait de son allocution au micro de Donatien Rakina. Concernant votre session de formation, vu que je n'ai pas eu le temps non seulement de participer à certaines plages de cette session, ni même rien à distance de juste le programme, mais qui est très riche et qui se résume en mon avis à deux mots-clés, responsabilité et capacité. Donc la responsabilité, c'est plutôt la vôtre, qui tourne autour de la déontologie, le respect des règles et surtout éviter tout ce qui peut détériorer le climat social qui est fragile dans nos pays. Responsabilité vis-à-vis de vous-même et aussi du public, évidemment. Et les capacités. Je crois que ces deux jours de session ont été un plus dans ce sens, même si dans la capacité, il faut inclure aussi les moyens matériels et les modes de travail et la sécurité aussi. Ça, c'est très important dans mon pays. Donc, pour moi, je devrais commencer par ça. Je réserve pour la fin, comme on dit, on réserve le meilleur pour la fin. Remercier la chef de la délégation de l'IDEA et sa délégation, les formateurs, les médiateurs, les remercier vraiment du fond de cœur pour cette contribution. Et IDEA a une longue histoire de soutien au processus démocratique en Afrique et on a un programme assez important pour les jours et les périodes à venir dans cette période de transition où il est assez engagé à accompagner les autorités de transition et les forces démocratiques en général jusqu'au point d'arriver à savoir la tenue d'élections transparentes, démocratiques et crédibles. Donc, je remercie les uns et les autres et je vous souhaite de faire bon usage des échanges que vous avez ici. En sécurité, amis téléspectateurs, cérémonie de libération des personnes amnistiées de la maison d'arrêt et de collection des classements ce 18 janvier 2022. C'était dans le cadre de l'application de la loi numéro 007. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Justice chargé des droits humains et de plusieurs personnalités. De la Seratinango. L'amnistie n'importe pas le plein droit à l'intégration dans les fonctions d'emploi, grade et ordres nationaux. Aucun cas, elle ne donne lui à reconstitution des carrières ni rappel des sols. Les effets des condamnations en ce qui concerne le droit cesseront à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. C'est par la lecture de la loi numéro 007 que plus d'une vingtaine de prisonniers ont été acquittés et présentés à la presse du 18 janvier à la maison d'arrêt de Clesson. C'était en présence du ministre de la Justice chargé des droits humains. Le directeur des établissements pénitentiaires a déclaré dans son discours que la mission des maisons d'arrêt avant d'ajouter est un cadre de pardon à saluer. Elle est simplement un lieu de rééducation des personnes en conflit avec la loi et confiée à l'administration pénitentiaire et la réinsertion sociale qui a pour mission principale d'exécuter les décisions judiciaires privatives de liberté dans un environnement sain et sécurisé en vue d'aider le ou la condamnée à redevenir un citoyen respectueux de la loi. En effet, l'amnistie accordée aux compatriotes par les plus hautes autorités est un acte de pardon à saluer. Le ministre de la Justice a quant à lui félicité les libérés avant de les encourager à respecter les lois afin d'être des modèles dans la société. Signalons que ces désormais libres ont reçu leur certificat d'élargissement et encouragement de la part des autorités. Sur ce sujet, mesdames et messieurs, le ministre de la Justice chargé des droits humains, Mohamed Amat Abo, a, dans son discours durant
La cérémonie a déclaré que le but de la libération des prisonniers est de permettre aux filles et fils du pays afin de participer au dialogue national inclusif avant d'appeler les maisons d'arrêt des provinces d'en faire autant. Suivez. De manière particulière, en prélude au dialogue national inclusif en préparation et afin de permettre à tous les fils et filles du Tchad d'y participer, les plus hautes autorités ont décidé d'amnistier les compatriotes pour des faits d'atteinte à l'intégrité de l'État et aux délits d'opinion. Cet acte de pardon, faut-il le souligner, est à saluer car il est le gage du rétablissement de la confiance entre les fils du Tchad et la paix sociale tant réclamée. Par ailleurs, à l'issue du contrôle de routine de la population carcérale à la maison d'arrêt et de correction de Klessim, il a été relevé qu'un certain nombre de détenus sont restés longtemps sans jugement ou sans avoir comparu devant un juge. Aussi, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et notamment ses articles 313, alinéa 1, 2 et 3, et article 355, alinéa 1, 44 détenus de droit commun vont également bénéficier au cours de cette cérémonie qui nous réunit ce matin, ici, de la mise en liberté d'office ordonnée par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena. Profitant de l'occasion, je voudrais réitérer les instructions déjà transmises au président des cours d'appel et aux procureurs généraux de Sar, de Mundu, de Mongo et d'Abéché de procéder de la mise en liberté des détenus séjournant dans les maisons d'arrêt en violation des dispositions du Code de procédure pénale. Nous bouclons ce journal avec cette information, amis téléspectateurs. Le mouvement panafricain du régime du franc CFA au Tchad a fait un point de presse ce 19 janvier 2022 à la Bourse du Travail. Le point de presse est relatif à la marche citoyenne et apporter son soutien au peuple malien. Suivez. Une réponse m'a été donnée pour la manifestation. On vous dit l'heure n'est plus au discours, mais aux actions actives et concrètes pour dire stop à l'ingérence, stop à la mauvaise coopération sans réciprocité. Au regard de l'état des lieux, il est lancé un appel vibrant à l'endroit de tous les panafricanistes de la ville de N'Djamena de sortir massivement pour la manifestation du 20 janvier 2022 devant l'ambassade de France au Tchad, devant la base Hadi Kossey et l'Institut français de 6 heures pour faire ce sitting dans le respect strict de la réglementation en vigueur en ce qui concerne la manifestation. C'est l'occasion de se faire entendre. Faites-le, n'attendez pas à ce que le prochain le fasse à votre place. Pour finir, je tiens à préciser que je suis le représentant de l'urgence panafricaniste au Tchad. Le 22 janvier, nous allons encore au sein de la représentation diplomatique du Mali au Tchad pour lire une motion de soutien à ce peuple malien. Ce qui est sûr, cette manifestation ne sera pas autorisée par le valet, n'est-ce pas, de la France, même si on demande à soutenir ce peuple frère et ami du Mali. Sur ce, je vous remercie. Il est au micro de Zénab Adoué Climas, amis téléspectateurs. Prenez soin de vous en regardant. Allah sur 24. Au revoir.